Je suis donc l'entraîneur de Nanterre, l'assistant coach de Nanterre, depuis 12 ans maintenant. Et je suis très content d'être à Vannes avec vous. Alors pour jouer à Nanterre, c'est vrai qu'on a plusieurs critères, notamment d'abord l'humilité. Ça, c'est très important pour nous quand on recrute. On cherche des joueurs très humbles et qui ont beaucoup de choses à prouver. On cherche des joueurs qui sont capables de bien vivre ensemble. Ça, c'est très important aussi. Et on cherche des joueurs qui ont notre philosophie, c'est-à-dire travailler dur et essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Ah oui, ces points sont transférables dans le monde de l'entreprise, tout à fait. Je pense qu'effectivement, si les gens de l'entreprise adhèrent à ce genre de discours, je pense que ça peut être très bénéfique pour la société, oui. Oui, le monde de l'entreprise doit s'inspirer du milieu du sport de plus en plus parce que nous, dans le sport, on considère qu'on a des joueurs, ce sont des humains et pas des robots. Et que dans l'entreprise, il me semble qu'on oublie souvent ça et on parle beaucoup de rentabilité. Mais on peut parler de rentabilité avec des robots, avec des machines. Avec des humains, c'est pas pareil. Il y a plein de choses derrière qui sont différentes par rapport à ça.